Et Salut à tous les gars, c'est Kinito. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 17e épisode déjà de cette carrière. Ouais, ça avance vite, ça avance vite. Bah oui, calme-toi. Euh, donc, euh, on s'était quitté après le 8e de finale de la Ligue Cup, donc de la Coupe de la Ligue. Et puis, euh, je voulais vous mettre malheureusement le, le tour là, de Coupe face à euh, Tozu. Et bah, malheureusement, je me suis euh, planté dans mes sauvegardes, n'importe quoi. Enfin, bref, j'ai perdu la sauvegarde. Donc, euh, je ne peux pas vous remettre avant le match, et vous voyez que j'ai malheureusement été éliminé. Alors, on va regarder un petit peu le scénario du match ensemble, etc. Mais là, ce qui vous intéresse aujourd'hui, il n'y aura pas de match aujourd'hui dans cette vidéo, euh, puisqu'on s'est arrêté, et eh bien, euh, juste avant euh, le match de, euh, de, de, de Yokohama, là, au mois de septembre. Euh, donc, euh, là, par contre, on va parler Mercato, les gars. On va parler Mercato, on va parler... Euh, championnat, on va parler un petit peu euh, départ, on va parler arrivée on va parler de ce qui s'est passé, des dirigeants etc enfin bref, on va parler un peu de tout ça euh, donc eh bien euh, ce que vous pouvez voir c'est que euh, j'ai enchaîné que des victoires en championnat et des branlées 6-0, 2-0, 4-2, 4-0 4-0, 4-1 4-0, 6-2, 4-1 6-3, 3-0 voilà, tac hop pff, soleil terminé voilà, donc là, on est sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 victoires d'affilée en championnat. Donc vous imaginez bien que le championnat est complètement plié. Nous sommes champions euh, d'ores et déjà euh, depuis la 30e ou 31e journée. Alors, je crois que depuis la 31e journée, on est champion. On était sûr de monter deux journées avant, je crois la 29e journée, on était sûr de monter. Donc voilà, c'est officiel, voilà, c'est officiel les gars, euh, là on, a, on met carnage, quoi. Voilà, on a mis carnage tout le long de l'année. Euh, donc euh, je vais vous montrer un petit peu le mercato parce que vous allez voir que ça a bougé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis ensuite, une fois que le mercato sera terminé, eh bien, on passera à la vidéo euh, suivante, hein, donc demain, euh, pour euh, parler un petit peu de la Coupe de la Ligue qu'il nous reste. Alors malheureusement, ce match, euh, là je ne mérite pas de le perdre, je pense. Euh, en tout cas... Sur la première mi-temps, je mérite bien mieux que ça. Parce que là, vous voyez ça, là, ces stats-là, bah ça, c'est en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je me suis fait éclater. Je pense que je me suis euh, planté au niveau du coaching à la mi-temps. Euh, J'aurais dû leur dire de ne pas se relâcher, etc. J'aurais dit que c'était bien. Euh, alors que j'avais des gars qui étaient trop sur deux. Je n'aurais pas dû faire ça. Malheureusement, bah, voilà ce que ça donne. Hein. Euh, on ne peut pas se mentir, ça donne ça. Donne ça. Deuxième mi-temps, je me suis fait complètement pulvériser. Euh, ils ont eu occasion sur occasion, je n'ai pas vu le ballon du match, mais euh, bon, j'étais plus dangereux qu'eux en première mi-temps, je pas vu le ballon en première mi-temps, mais j'étais beaucoup plus dangereux qu'eux, et eux, ils étaient inoffensifs en première mi-temps. Malheureusement, eh bien, euh, la deuxième mi-temps m'aura été fatale, et euh, je vais perdre, et donc, je n'ai plus aucun moyen d'accéder à la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, donc euh, c'est dommage, voilà, il va falloir que je le fasse par le championnat l'année d'après. Euh, mais bon, bah, c'est toujours ça, quoi, voilà, il y a quand même, euh, on a quand même un trophée, un premier trophée et ce sera donc une J2, et il euh, y a un deuxième trophée à tenter d'aller chercher cette année, c'est euh, ce trophée-là, hein, la, la Coupe de la Ligue, alors malheureusement, la Coupe de la Ligue, du coup, comme je vous le disais, il n'y a, a rien à gagner euh, à part de l'argent, bon, de l'argent et de la fame un peu, hein, parce, que, euh, parce que voilà, hein, on a deux étoiles réputation, là, on, ça monte hein, petit à petit, ça monte plutôt pas mal. Je vais bientôt avoir mon diplôme continental C. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi. Je vais pouvoir passer le continental B tranquillement. Et, euh, et puis, et puis, et puis, eh bien, j'ai demandé un nouveau centre de formation, de nouveau, puisque là, on est à 10. J'ai demandé un nouveau centre de formation et c'était accepté. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait pas mal de ventes et de nouvelles arrivées. Vous voyez que là, j ai, j ai, je stack de l'argent. Euh, transfert, mais en fait, tout ce que je récupère comme argent, je le place pour l'instant dans, dans le centre de formation, et là, ça a été accepté. Euh, donc, mon centre d'entraînement, pas d'enterrement, parce que voilà, c'est terminé et, euh, et passé à 10. Mon centre de formation d'avance, c'est terminé et passé à 10 également, et là, je suis en train de passer à, je pense, 12 peut-être, euh, le prochain truc. Attendez, je regarde sur le, le site. Euh, je ne me rappelle plus exactement la valeur des infrastructures, une fois qu'on est à 10 euh, en structure. De formation. Ouais, je vais passer à 12 normalement. Je devrais passer à 12. Donc bon, euh, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Voilà. On verra si on demande de euh, passer au niveau encore supérieur parce que ça risque de me coûter un peu d'argent. J'avais fait le calcul une fois. Euh, mais je crois que ça commence à coûter de l'argent à partir de, de 14. Enfin, quand on veut passer à 14, du coup, de 12 à 14, donc le prochain palier. Risque d'être un peu compliqué à passer. Euh, mais sinon, eh bien, c'est de bon augure. Euh, voyons également euh, les jeunes. Enfin, euh, l'aperçu la, la, de la promo de New Gen. Excellente, bien sûr. Voilà, excellente. Bah oui, on a passé à 20-20. Oui, ça y est, au mois de juillet, on a réussi à passer à 20-20 juste avant l'aperçu New Gen. On a eu l'aperçu New Gen le 7 juillet, je crois, de mémoire. Et on est passé à 20-20 le 1er juillet. Donc euh, voilà, c'est officiel. Là, là, on attend une fournée légendaire. Hein. Là, on attend une fournée de légende en fait. Hein. Là, on n'est pas là pour étendre du linge. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc on verra bien un petit peu euh, comment ça va se passer. En tout cas, euh, en tout cas, eh bien ça annonce, ça annonce, que du bon quoi. Voilà, des milieux latéraux pour l'instant très prometteurs. Au moins un, ils nous disent, au moins euh, un de nos alliés peut s'avérer prometteur. Donc en A, les, ces deux postes-là. Euh, les arrières latéraux, euh, au moins un de nos défenseurs latéraux est très prometteur. Au moins, euh, nous avons un jeune avançant prometteur également. Donc euh, ces deux postes-là en B. Gardien en C. Euh, milieu axial en C également. Donc euh, voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Euh, moi, j'aimerais bien la terre gauche. Euh, j'aimerais bien la terre gauche. Ça me permettrait de remplacer Arroyo. Et j'aimerais bien ben, un attaquant en fait. Hein. J'aimerais bien un attaquant. Voilà, parce que, voilà. Mais vous allez voir, il y a eu pas mal de, de nouveautés. J'aimerais bien un attaquant, j'aimerais bien un latéral droit, j'aimerais bien, enfin bon, j'aimerais bien tous les, tous les postes. Hein. Mais j'aimerais bien déjà un latéral gauche pour pouvoir remplacer Arroyo, Arroyo qui euh, prend une place étrangère. Hein. Donc si je peux remplacer ça, ça m'arrangerait bien. Donc pour ce qui est euh, des transferts, eh bien vous allez voir qu'on a fait euh, de beaucoup sur euh, le, le marché des transferts de, de juillet. Je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment, mais pas du tout, les gars, je vous le dis honnêtement. Et finalement, eh bien, je n'ai pas eu trop de choix. Euh, parce que j'ai réussi à faire de belles ventes. Euh, notamment, j'ai commencé par euh, Wakizaka. Non, j'ai commencé par, euh, par lui, là. Euh, Asa, euh, alors, pourquoi lui Il voulait partir, il m'a cassé les couilles parce qu'il ne jouait pas assez. Donc, j'ai dit Ok, vas-y, je vais te vendre, c'est bon. J'obtiens 975 000 euros. Donc là, il est parti au 1er août, mais en fait, j'ai eu les thunes avant. Hein. J'ai négocié son transfert fin juin, début juillet. Donc, j'ai récupéré 975 000 euros. Derrière, j'ai vendu Briquet Fou également pour 500 000 euros. Donc, euh, c'était euh, euh, Arouillade, mais euh, bon, 30, 31 ans. Et je récupère 500 000 euros sur lui, alors que je l'avais gratuit. Je récupère 975 000 sur lui, alors que je l'avais gratuit. Donc là, c'est très bien. J'ai vendu Moa également et vous allez voir pourquoi j'ai trouvé en fait des remplaçants euh, gratos et j'ai réussi à le vendre pour 1 million d'euros. Ça fait plaisir. 1 million d'euros, on prend. On l'a eu gratuit 6 mois avant. Euh, on l'envoie, on l'envoie en juillet, enfin 6 mois avant, 7 mois ou 7-8 mois avant. Euh, en fin juillet, on l'envoie ailleurs pour 1 million d'euros en cash. C'est très très bien. Euh, Wakizaka également, c'était notre latéral droit remplaçant. Et eh bien, je l'ai vendu pour 400 000 euros. J'ai réussi à trouver 400 000 euros pour lui. Alors, c'est pareil. Hein. Oui, là, euh, oui, quand vous voyez ça, entre 1 million, 2 millions, ok, bon. Mais euh, chez, chez moi, il valait 200 000 euros, quoi. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai réussi à avoir beaucoup plus que leur valeur. Lui, par exemple, il avait une clause libératoire pour les clubs de première division qui était à 750 000 euros. Son prix était évalué à 750 000 euros. J'ai réussi à le vendre en deuxième division, 1 million d'euros. Voilà. Bon, voilà. Euh, Idée, pareil. Hein. Idée, il valait, euh, je crois que c'était 300 000 euros maximum. J'ai réussi à le vendre 500, vous voyez ce que je veux dire. Et euh, Azukawa, bah, pareil. Hein. Lui, c'est une énorme vente, par contre. Hein. 975 000 euros, c'est une énorme vente. Alors, derrière, malheureusement, mes dirigeants, ils ont vendu à ma place Alex JV. Donc, ça me fait chier parce que j'avais quasiment un million dans les caisses. Et ils ont quand même accepté une offre. Donc, moi, j'avais trouvé une autre offre. Du coup, après, quand ils ont accepté, j'avais essayé de trouver d'autres offres. J'avais trouvé une autre offre. Pour 725 000 euros euh, cash et 25% sur son prochain transfert. Et bien, finalement, malheureusement, comme mes dirigeants ont accepté euh, ce deal avec euh, Osaka, qui était en tête de première division, donc bah, lui, il a choisi d'aller, euh, bien sûr, dans ce euh, qui était beaucoup moins bon pour moi euh, comme deal. Donc, alors, on va regarder juste le deal un petit peu euh, que j'ai pour lui. Et euh, ce, deal, ce deal, alors c'est 140 000 euros lorsqu'il aura joué 20 nouveaux matchs. Donc ça, c'est pareil, j'ai rien pu négocier, hein, les gars. Ça hein. a été fait par mes dirigeants, j'ai rien pu faire. Euh, la prime de temps de jeu, 140 000 euros euh, lors de la prochaine sélection nationale. Est-ce qu'il sera sélectionné un jour au Japon Je ne sais pas, je ne pense pas, je n'en sais rien. Mais euh, ça m'étonnerait fortement au vu de sa personnalité. Il oui, est forte personnalité, etc. Donc s'il ne joue pas, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il joue depuis que. On va les regarder un petit peu. Euh, non, il n'a pas joué. Voilà, donc euh, vous voyez, voilà. depuis qu'il est aux Akan, il n'a pas joué. Donc je pense que c'est un flop et que ça va être compliqué pour lui. Bon, c'est dommage. Hein. Je pense qu'il aurait dû rester chez nous, mais bon, il a voulu partir. C'est tout. Hein. Est... Ouais, il a accepté. Mes dirigeants ont fait n'importe quoi. Et... Voilà, c'est comme ça. Alors j'ai 40% des bénéfices faits sur son prochain transfert, euh, mais, mais pour l'instant, c'est 300 000 euros parce que ça ne compte pas les bonus. Euh, mais eux, ils m'ont payé 300 000 euros en gros en cash pour l'instant. Mais, 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 euh, comment dire Ces 40%-là... Alors, s'il est vendu très, très cher, ça va être bien. Tiens, d'ailleurs, combien il vaut Ah, il vaut 3 millions. Ah, ouais, ça peut être pas mal quand même. 40% de, bah, de 3 millions, admettons. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Donc, ça peut être pas mal. On verra bien ce que je peux récupérer là-dessus. Mais moi, j'avais trouvé un deal, c'était 25% de son prochain transfert, peu importe le prix, en fait. Donc, ça, ça pouvait être un peu plus intéressant, je pense, que les 40% de bénéfices, en fait, tout dépend à combien il va être vendu. S'il est vendu 10 millions, bah oui, bien sûr, hein. c'est bien mieux. Hein. Voilà, c'est bien mieux, c'est clair. Euh, ensuite, euh, ils ont négocié également un match amical avec, euh, avec ce club-là qui est du coup en tête de J1. Hein, je rappelle donc ce qui fait que cet été je monte, donc je devrais prendre euh, cet été, cet hiver. Du coup, je vais monter, je vais prendre en réputation, donc je risque d'accueillir un peu plus de monde au stade et je vais avoir le potentiel champion en titre de Division 1 euh, que je peux avoir gratuitement à venir chez moi au stade pour faire un match amical durant l'hiver, donc ça va me rapporter quand même pas mal d'argent, je risque de remplir le stade, donc ça peut être cool pour le match amical, donc ça peut me rapporter, pour l'instant si je le fais, ça me, coûte, ça me rapporterait 15 000 euros, mais je pense que euh, je peux attendre un petit peu plus et aller viser euh, pas mal d'argent, je pense, euh, peut-être 40 000, 50 000 euros, voilà, pour un match, c'est toujours ça de prix, quoi. Euh, ensuite, euh, deux versements annuels de 78 000 euros chacun. Bon, voilà, ça, ça c'est en plus. Hein, donc, euh, voilà, en gros, je pense que je pourrais obtenir au pire 400, 450 000 euros peut-être euh, pour son transfert pour l'instant. Mais euh, voilà, il recevra 28 000 euros par match euh, lors des 10 prochaines rencontres de championnat. Pour l'instant, il n'a pas fait un seul match avec eux. Donc, bon, voilà, hein, euh, on va attendre un petit peu, mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, bah, ça me fait chier. Voilà. Je l'ai perdu ce mec-là, donc euh, ça m'emmerde un petit peu. Mais bon, il faut s'y faire. Derrière, j'ai vendu Martin Sanchez. Ouais, bah, voilà. Non, mais voilà, je suis désolé. Fallait que je le vende. Fallait que je le vende. J'ai vendu 700 000 euros, je pense que je l'ai bien vendu. C'est le maximum de la fourchette. Sa voilà, fourchette max a été à 700 000, je l'ai vendu au, plus, au prix le plus haut. Mmh. Pourquoi je l'ai vendu tout simplement parce que vous allez voir que j'ai trouvé un petit numéro 10, un new gen japonais. Pas piqué des anton. Alors là, on aime beaucoup le profil du monsieur avec une personnalité gautière. Donc forcément, je vais installer ce, ce petit gamin qui est normalement un, un buteur que je vais reformer en numéro 10, comme j'ai fait avec Martin Sanchez. Donc j'espère qu'il sera aussi efficace que lui. Alors on va voir ça ensemble après. Et enfin. Euh, alors, j'ai eu lui, lui c'est un banger. Euh, euh, ah non, alors c'est pas lui, ah non, euh, non bah lui je l'ai vendu, lui non, pardon, c'est un autre, c'est un banger, pardon. Lui je l'ai vendu, donc décontracté, c'était le décontracté, vous savez, qui était sorti l'année dernière, euh, que je faisais jouer de temps en temps. Finalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'offres pour lui. J'ai décidé de le laisser partir, alors je l'ai vendu 160 000 euros, je crois seulement. J'ai pas réussi à avoir plus, hein. j'ai négocié beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer d'avoir plus, j'ai pas réussi. Bon, c'est un décontracté, donc quelque part, euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il s'en aille. Même s'il a pas mal de potentiel, même si voilà, c'est peut-être une perte au niveau potentiel, mais bon. En même temps, les gars, je vous le dis, j'aurais pas pu avoir euh, grand chose de plus pour lui, euh, sachant que j'ai négocié 25% sur son prochain transfert. Voilà. Donc, au cas où, si jamais il le vend cher, j'aurai de toute façon 25% de l'indemnité de transfert. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, je fais une bonne affaire. Euh, quoi qu'il arrive, je vends un mec qui n'a pas de professionnalisme et qui n'atteindra probablement jamais son potentiel. 160 000 euros et si jamais par miracle il atteint un potentiel qui est correct et qu'il le revend cher je touche 25% donc finalement c'est pas si mal euh, alors voilà ça c'est pour tous les départs les gars voilà tout ça c'est euh, les départs de la mi-saison alors que je suis en tête du championnat largement etc donc j'ai pris un risque hein. pris un gros gros risque mais vous allez comprendre pourquoi euh, Donc euh, le premier que j'ai acheté, donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5... 7 arrivées donc 7 départs, 7 arrivées au final. Regardez hein, combien je me suis généré d'argent cette année depuis le 20 janvier. C'est quand même fou. Depuis le 20 janvier, j'ai vendu pour 7,5 millions. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, je me suis mis 7,5 millions dans les caisses que j'ai investi dans mon club, dans le centre de formation, dans euh, l'encadrement, le recrutement jeune, le centre d'entraînement, etc. J'ai très peu investi euh, sur des joueurs. Au final, j'avais investi sur lui 19 000 euros. J'ai investi sur lui euh, KCR 300 000 euros. Euh, là pour l'instant, il vaut 475 000. J'espère le revendre en fin de saison euh, et de trouver mieux que lui. Et euh, du coup, alors voilà. Du coup, attention, attention. Grosse dépense 275 000 euros acheté. Euh, Dreluc. Alors lui, c'est euh, vraiment. C est, c est, c est... Non, mais c'est. Voilà. Qu'est-ce que je te dis Le mec est professionnel, imperturbable. Il est, euh, il, est, il est magnifique, en fait. Voilà. Il est professionnel, imperturbable. Il a un manque de régularité. C'est ce, euh, ce qui est un peu chiant pour lui, mais ce n'est pas très grave. Euh, il est en train d'apprendre le poste. Vous voyez qu'il ne connaissait pas du tout le poste. Euh, il est déjà en accompli maintenant. Donc, ça va assez, assez vite. Hein. Vous voyez, il a passé tout l'été à jouer. Il a joué tous les matchs, hein, quasi. Et regardez un petit peu euh, ses débuts. 7 matchs, plus 2 en tant que remplaçant 6 buts déjà. Alors, oui, il ne fait pas de passes décisives pour l'instant. Il a zéro. Mais euh, il est très, très fort devant le but. C'est ce qu'on lui demande pour un œuf et demi, pour l'instant. Voilà, il fait plaisir. Franchement, il fait plaisir. J'espère qu'il va continuer comme ça. Il a 7,40 de notre moyenne. C'est très, très bien. Il faut que ça continue. Voilà, tout simplement, il faut que ça continue dans, dans ce sens parce que euh, il y a peut-être moyen qu'il prenne de la valeur, etc. Et je l'ai eu pour 275 000 euros. Hein. Alors, il était, euh, j'ai de la chance, hein, parce qu'il était en J2 League et il a accepté de venir avant ses 18 ans, hein, quand même. Hein. Euh, je crois que... Euh, ah non, il avait 18 ans, donc il a accepté de venir. Donc c'est plutôt pas mal, je ne sais pas s'il peut être considéré comme formé au club... Euh, si, si, il pourra être considéré comme formé au club. Donc lui, on l'installe au poste de numéro 10, et ce sera normalement, si je ne trouve pas de citoyen modèle et compagnie, et eh bien ce sera l'année prochaine, euh, mon capitaine, je pense. Voilà, ça devrait être mon capitaine l'année prochaine, euh, parce qu'il bah, a un bon leadership, qu'il a une personnalité godetière, plus une bonne DTR en plus. Donc euh, voilà, c'est plutôt très très bien, malheureusement, il n'a pas de projet, donc ça veut dire qu'il a une ambition qui est assez faible, je crois. Enfin, en tout cas en dessous de 14, donc pas forcément faible, mais pas très haute. Euh, mais sinon, euh, c'est voilà. Sinon, c'est monsieur, quoi. Voilà, c'est monsieur. Euh, derrière, alors j'ai eu quelques très très bons joueurs quand même. Lui, je pense que c'est le meilleur que j'ai eu pour l'instant, avec lui peut-être. Enfin, en tout cas, les deux meilleurs prêts, quoi, les joueurs qui sont prêts. Alors, euh, c'est Duba. J'ai été très surpris de voir que ce monsieur était, euh, était disponible. Et du coup, je l'ai signé. Je l'ai signé euh, pour euh, très exactement zéro. Voilà, <laughs> libre de tout contrat, 5500 euros par semaine. Donc, c'est l'un des plus gros salaires du club, bien sûr. Mais regardez un petit peu le physique 14 accélérations, 16 agilités. 12 détente, 12 endurance, 11 équilibre, 17 QPN, 15 en vitesse, seulement 8 en puissance, mais il a un physique légendaire. Alors là, je pense qu'il va mettre un carton international. Regardez ça, déjà 6 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. En J2 League, 12 en dribble, 11 en contrôle de balle, 11 en technique. Ça manque un petit peu techniquement, on ne pas se mentir, mentalement aussi. Mais euh, il a un très très gros physique avec des notes techniques. Il voilà, y, y a des lacunes, mais c'est correct. En plus, il s'est centré, etc. ce qu'on demande, ce que moi je demande à mes ailes intérieurs, c'est le centrer davantage. Ça marche bien. Et bien lui, parfait, quoi. Voilà, parfait. C'est le profil parfait. Je vais pouvoir me faire une blinde sur lui, regardez. Et en plus, lui, ce qui est très très bien, c'est ça. Voilà, réputation mondiale, deux étoiles. Donc lui, il risque de m'attirer d'autres joueurs assez réputés pour moi l'année prochaine, comme je monte. Ah, comme je monte en première niveau. Non, mais voilà. Voilà, je risque de pouvoir attirer des très très bons joueurs. Ensuite, Nagelschon. Alors euh, Nagelschon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros bon, c'est pas comme ça qu'on l'écrivait nous, mais euh, en gros j'ai un viewer euh, qui suit, qui me suit depuis longtemps, et je jouais très souvent euh, dans toutes mes carrières face à Julian Nagelsmann, qui était au Bayern dans, dans les anciens euh, FM, il était au Bayern, il me cassait les couilles. Voilà, j'ai fait. Il euh, y a un moment, j'ai dans une de mes games sur Twitch, j'avais gagné 11 Ligues des Champions et lui aussi. J'ai fini par le battre juste avant qu'il qu parte en retraite. J'ai gagné la 12 e je crois. Mais voilà, en gros, c'était ça. Et du coup, bah je perdais tout le temps contre Nagelsman en finale de Ligue des Champions. Par contre, je n'ai gagné aucune finale, quoi, je crois, contre lui. Euh, de, je, je crois que contre lui, j'ai gagné aucune finale, vraiment. Euh, mais par contre, je l'ai déjà battu en quart, en demi, etc. Mais en finale, jamais. Et du coup, bah, j'en avais marre, et bah, du coup, Nagelsmann, je l'ai appelé Nagelschouin. Voilà. Ouais, j'ai appelé comme ça, il s'est resté sur le stream. Et du coup, j'ai un, un joueur qui s'est renommé comme ça pour acheter un joueur et pour pouvoir mettre son nom de putain de Choin sur un de mes joueurs. Donc voilà, il l'a fait. Bon, euh, c'est euh, une star. Hein. Pour moi, c'est une énorme star, hein, ce mec. Regardez ça, un petit peu, euh, Wakizaka. Euh, donc c'est Yasuto Wakizaka, libre de tout contrat, bien sûr. à 4400 euros par semaine. 30 Ans japonais, euh, voilà. On installe au poste de numéro 8, hein. enfin de meneur de jeu en soutien, quoi. En 6 là, mais un meneur de jeu soutien, voilà. Je l'installe là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Regardez-moi ce, ce joueur en fait, il est trop fort. Le ballon est très fort avec son 13 en passe, 14 techniques, 14 contrôles de balle, 12 visions de jeu, 12 équilibres, euh, voilà. De l'anticipation, de la décision, voilà. Il est très fort. Euh, c'est c'est même un bon joueur de J1. Regardez ce qu'on me dit euh, dans le rapport. Régulier, aime les gros matchs. Bon, bah, son défaut, c'est équilibré, apprécier les médias, donc c'est un peu dommage. Euh, mais voilà, c'est pareil, c'est un super joueur euh, pour moi. Il est deux étoiles lui aussi de réputation, donc c'est parfait. Bon, euh, on verra ce que ça va donner euh, avec lui, mais pour l'instant, c'est des bons débuts. Encore une fois, il joue en 6, et il nous a fait quatre passes décisives et un but déjà. Voilà, euh, au poste de numéro 6, et après six apparitions, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Et puis, et puis voilà, c'est un métronome au milieu de terrain. C'est un métronome au milieu de terrain, 17 QPN. Donc en plus, il devrait ne pas perdre de stats trop, trop vite. Donc je vais pouvoir le garder peut-être un an, deux ans, et essayer de le revendre peut-être fin d'année prochaine. Je ne sais pas, on verra. Je vais peut-être essayer de m'appuyer sur lui l'année prochaine. Euh, ensuite. Alors on en est où là euh, On en est à la gueule Donc ensuite, Duality. Alors Duality, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai vendu. Euh, comment c'est Moa là parce que j'espère mec là en fait. Eh bah oui, gratos. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais moi je suis obligé de le prendre ce mec. Je vais quand même pas passer à côté de ce mec les gars. Hein, je suis désolé mais je vais pas passer à côté de ce mec. Regardez ça 14 agilité, 12 accélération, 12 en vitesse, 13 en appel de balle, 12 en dribble, euh, 13 en contrôle de balle, 12 en passe, 14 en technique, 14 en tir de loin, 13 en centre. Les gars, est, il est trop bien, lui, il est trop trop bien. Alors normalement c'est un 10. Moi je le forme pour jouer sur un côté puisqu'il est gaucher et que je joue avec des centreurs, j'aime bien jouer avec des centreurs, et donc bah, lui il est parfait en fait, voilà, il est parfait, il est meilleur que moi, il est moins régulier certes, mais il est meilleur que lui, et euh, bah, il m'écarnage. Hein, voilà. carnage, 5 matchs, 5 passes décisives, 1 but, 7,74 de notre moyenne, voilà, qu'est-ce voilà, qu que tu veux que je te dise, je vais le revendre une là je vais me faire des couilles en or sur lui, voilà c'est tout, non mais c'est tout, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, derrière, eh bien euh, nous avons, euh, alors lui est-il, euh, attention, alors lui, j'ai été surpris de le voir. C'est un Thaïlandais, donc en plus parfait, pas étranger, euh, parce que euh, le, le joueur d'avant était un, un joueur qui est considéré étranger par, euh, par le championnat. Lui, ne l'est pas puisqu'il est thaïlandais, et euh, bah, c'est parfait. C'est un latéral droit. C'est pour ça que j'ai vendu Wakizaka, euh, l'ancien euh, latéral droit que j'avais. Je l'ai vendu pour mettre ce monsieur-là, voilà. Pour, euh, et lui, je le mets titulaire. Et comme ça, Alex il est parti. Et bah tant pis, voilà. Euh, tant pis, j'ai lui. C'est pas grave, voilà. parce qu'Alex Alex a voulu partir. Et ben bah, j'ai lui. Et lui, il est meilleur. Il a une meilleure personnalité. Il est assez loyal, équilibré. C'est pas non plus exceptionnel, mais il est très bon. Regardez ça, la vitesse à laquelle il va, euh, sa qualité de dribble, de centre, de technique. Euh, voilà, c'est très bien pour moi. Son défaut, c'est l'appel de balle. Mais bon, c'est tout. Euh, 7,06 de notre moyenne. Un peu de mal à se mettre en jambe, je trouve. Euh, une seule passe décisive pour l'instant pour un latéral. Je trouve c'est assez peu. En six matchs, 7 -0 6 matchs, euh, 7-0-6, sachant que dans ma tactique à moi, les latéraux sont très très bons, euh, généralement. Mais bon, c'est un joueur régulier qui aime les gros matchs. Il lui faut peut-être un petit temps d'adaptation, on verra. Ensuite, alors là, on arrive sur euh, les joueurs euh, que j'ai eu en prêt. Et là, c'est des jeunes new gen. Donc, j'ai eu euh, ce monsieur en prêt, latéral droit lui aussi. Donc, lui, je l'ai pris en prêt pendant 2 ans. C'est-à-dire que je l'aurai l'année prochaine également euh, en prêt chez moi. Et j'ai une option d'achat à 2 millions, je crois, sur lui. Euh, si je dis pas de conneries, ouais, 2 millions sur lui. Donc, euh, j'ai augmenté un petit peu l'option d'achat pour pouvoir l'avoir en prêt pendant deux ans. Sinon, je ne pouvais pas. Et euh, je pense que je vais le faire jouer à la place du Thaïlandais. Hein. Euh, à un moment donné, il est assez professionnel, équilibré. Euh, il a 5 étoiles de potentiel. Il est euh, irrégulier en, en orange. Mais bon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas très grave. Euh, par contre, il est déjà rapide, hein, 12 accélération, 12 agilité, 11 vitesses, euh, 14 équilibre et 14 endurance, Voilà, C'est pour ça que je l'ai pris en prêt, euh, parce que euh, 17, ans, euh, 17 ans, je ne peux pas l'acheter. Il ne voulait pas venir chez moi, mais par contre, il voulait bien venir en prêt. Et puis, bah, très rapide. Euh, ah, je pense qu'il peut me faire du bien, même en d Je pense qu'il peut me faire du bien, même en D1. Ensuite, le dernier, c'est un attaquant et je vais l'installer au poste de titulaire. Alors malheureusement, vous allez voir qu'il y a un petit, euh, un petit bémol avec lui. Euh, mais euh, voilà, j'ai trouvé cet attaquant-là euh, qui a eu euh, 20 ans, euh, 17 ans, en fait... Euh... En fait, au moment où il est... Alors, je ne sais pas comment je j'ai Peut-être que je l'ai rencontré, je ne sais pas. Mais en gros, ce mec-là, j'avais un semi-rapport sur lui et je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu. Et au moment où il a eu euh, 17 ans, donc le jour de ses 17 ans, le 20 août, il y a eu des offres dans tous les orphelins qui sont partis sur lui et j'ai été notifié dans ma... Dans ma, comment, dans ma boîte de réception. Là, comme quoi, il y avait un mec euh, voilà qui avait des prêts sur lui. Donc, j'ai cliqué sur lui, tout simplement. Et j'ai vu ça. J'ai dit, mais attendez, mais il est fort, en fait. Je n'avais pas le rapport complet, mais j'avais euh, le 14 finition, j'avais le 13 tête, j'avais le 12 contrôle, j'avais le 14 technique, j'avais le 12 accélération, j'avais le 12 détente. Après, j'avais le 8 de vitesse aussi, etc. Mais je me suis dit, putain, il est fort. En plus, il est enjoué, équilibré et tout. Putain, mais c'est trop bien. Euh, écoutez, je vais le prendre. Donc en fait, il a signé son contrat pro, vous savez comment ça marche avec les events négatifs, si vous me suivez depuis longtemps, il a signé son contrat pro chez eux du coup le 20 août, donc à partir de là, boum, euh, offre de prêt dans tous les sens de tout le monde, je fais une offre de prêt également, avec une option d'achat à 6 ,5 millions, par contre, c'est un peu cher, mais bon, c'est pas grave, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, bah voilà quoi, voilà, c'est tout. Donc finalement, il accepte de venir chez moi, et en fait, quand il arrive, eh bien je vois ça, ce que vous voyez derrière moi, là, semble faire preuve de suffisance depuis qu'il a signé un nouveau contrat. Et ça, en fait, c'est avec son club. Hein. C'est le club qu'il a signé avec son club. Il a eu l'event, et comme après, il vient chez moi, moi, je le vois, parce que c'est dans son rapport d'entraînement. Donc, du coup, en fait, il a eu un event négatif, donc il a perdu en professionnalisme, en ambition et en euh, fidélité. Maintenant, je pense qu'il était quand même très, très haut dans ces notes-là. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, il est encore équilibré avec les médias. Et en étant équilibré avec les médias, ça veut dire qu'il a minimum 11 en, euh, en fidélité. Donc ça veut dire que soit il a pris qu'un moins 2 en fait dans, dans ces notes là, euh, les notes que je, vous, que je vous dis, et du coup en fait son event est petit, les négatif négatifs est petit et rattrapable, soit il avait une très très bonne personnalité euh, puisque bah, on voit que la fidélité est encore au minimum à 11, donc ça veut dire que potentiellement euh, sa fidélité était peut-être à euh, 16. Donc en se disant il est enjoué, plus, il avait déjà une grosse, grosse fidélité. Ah, ça se trouve, en fait, ce mec-là, euh, il a une énorme personnalité. Quoi. Ça se trouve, en fait, euh, sa, sa personnalité est très bonne. Et même avec l'event, ça peut euh, le faire. Euh, vous voyez qu'il a fait ses débuts chez nous euh, avec euh, deux buts, euh, un doublé hein, déjà. Voilà, il a mis un doublé euh, lors de son premier match. Donc ça, ça fait plutôt plaisir en euh, All Japan Cup. C'est pas avec nous qu'il a joué. Euh, mais euh, voilà, il a mis un doublé avec nous et ça, ça, ça fait plaisir je crois qu'il n'a pas joué avec nous en couple hein. ouais non il n'a pas joué il a, il a fait c'était son premier match donc voilà c'est lui qu'on installe euh, en attaque pour l'instant à la place de, de Kessler hein. Kessler qu'on essaiera de, de vendre donc Kessler c'est donc euh, Sakuma qu'on essaiera de, de vendre, je pense, en fin d'année, qui vaut 475 000 euros. Je pense que j'ai fait un très très bon mercato d'été. Je ne m'attendais pas du tout à faire ce genre de mercato. Parce que, bah, parce que tout simplement, je ne m'attendais pas à faire autant de changements. Hein. Euh, voilà. Et puis finalement, j'ai eu de bonnes opportunités. Donc, voilà. euh, maintenant, vous savez que je suis depuis longtemps euh, ce petit jeune-là. Euh, lui, je le suis depuis très très longtemps. Il est en jeu imperturbable. Euh, voilà, j'ai découvert très très tôt euh, l'année dernière. Et j'attendais qu'il ait 17 ans. Alors malheureusement, ils ne veulent pas le prêter pour l'instant. Euh, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il a signé son contrat. Visiblement, il n'a pas eu d'event parce qu'il est toujours en jouet imperturbable. Voilà, il n'y a pas de. ça n'a pas bougé, donc visiblement, il n'a pas eu d'event. Mais son, dans son contrat, déjà, il y a une clause libératoire à 3,7 millions. Et surtout, il y a une clause libératoire à 1,9 million ici. En cas de relégation. Et si on regarde son club, eh bien, son club, ils sont pour l'instant 15e. Ils sont 15e et euh, ils sont qu'à 3 points de la, du premier relégable. Donc, il y a un monde dans lequel il descend. Moi, je vais monter. Donc, ça, voilà, c'est acté. Je vais monter. Donc, si lui, il descend, je pense qu'il voudra bien venir chez moi en, temps, en transfert, carrément. Donc, bon, je me dis, euh, let's go, quoi. Go essayer, en fait. Hein. Go essayer de l'avoir. Donc, on va suivre un petit peu les résultats de, de cette équipe d'ici la fin de saison pour voir un petit peu ce qu'ils font et si, oui ou non, ils descendent, quoi. Euh, donc voilà, bon, les gars, j'ai fait une demi-heure de blabla. Hein, je vous avoue que là, euh, voilà, hein, j'ai quand même une demi-heure hein, euh, à vous montrer un peu le mercato et tout, à vous présenter un peu tout ça. Euh, J'espère que vous êtes hypés un petit peu par les, par les petits jeunes euh, qui sont arrivés et que vous allez être hypés euh, parce que la prochaine vidéo, ça va être ça. Et euh, ça va être donc Yokohama FC, le, le derby, hein, euh, en quart de finale. Voilà, vous aurez les deux matchs là. Et puis derrière, eh il euh, y aura probablement euh, les, comment, les, les, new gen, hein, les New Gen. Puisque comme je suis à 20-20, on a regardé, on a fait un peu le tour. On n'est que deux clubs à avoir 20 en recrutement jeune. Donc je vais avoir mes new gen très très tôt, puisque je vais drafter en deuxième position normalement. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, là attention, Génération Dorée qui a annoncé. Donc on va voir si on a vraiment une Génération Dorée. Et puis bah, en tout cas, euh, merci à tous, moi, d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine. On va passer du bon temps sur le jeu Bande de, de chipollet. Des bisous et ciao.